Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Fabrique Université de Poitiers et la Technopole Eurekatech. La thématique aujourd'hui, c'est la bande dessinée et le transmédia. Nous recevons trois intervenants que je vais rapidement présenter puisque je les laisserai se présenter tout seul après. Donc, nous recevons Myriam Lalmi, donc, qui est cofondatrice des éditions Tubonie. Donc, Myriam nous dira un peu plus sur cette maison d'édition. Jean-Philippe Martin, qui est conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Et Gaëtan Lecoareur, donc, qui est doctorant en sciences de l'information et de la communication et sciences de l'art à l'Université de Savoie. Ce webinaire sera animé par Charles-Alexandre Delestage. Bonjour Charles-Alexandre. Donc du Fabrique Université de Poitiers. Ce webinaire est enregistré. Vous aurez un replay que je vous enverrai par mail. Généralement, c'est ce que je fais à chaque fois. Tous les inscrits ont le replay dans leur boîte mail quelques jours après. Donc, vous pouvez aussi revoir ce webinaire sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux d'Eurekatech et du Fabrique. Les intervenants partageront aussi des documents avec nous que vous pourrez retrouver dans ce replay. Je vais rapidement présenter Eurekatech. Juste avant, vous avez un onglet de chat. Dans cet onglet de chat, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas, Charles-Alexandre, qui est donc le modérateur de ce webinaire, les remontera et fera son maximum pour en traiter le maximum. Bon, on n'arrive pas toujours à traiter toutes les questions, mais en tout cas, on essaiera de remonter vos interrogations pendant cette conférence. Je me présente, je suis Laetitia Bussard, la responsable marketing et communication de la Technopole Eurekatech. La Technopole Eurekatech existe depuis 2018. Nous sommes localisés à Saint-Michel. On a des missions, en fait, on a une mission principale, c'est de soutenir en fait les projets et les entreprises innovantes sur le territoire, donc start-up, PME, TPE, grands comptes ou porteurs de projets qui ont un projet entrepreneurial et innovant. On les accompagne. Pour cela, on a des parcours d'accompagnement, trois parcours, incubateur, développement et croissance. On s'occupe aussi d'animer l'écosystème local autour de l'innovation, donc sur les territoires de Grand Angoulême et Grand Cognac. Et on met particulièrement en avant les filières d'excellence du territoire, donc les industries culturelles et créatives, l'image numérique, l'industrie du futur et la troisième filière d'excellence, le packaging, le luxe et le spiritueux. Nous avons aussi une mission de sensibilisation à la culture de l'entrepreneuriat et l'innovation. On a des programmes auprès des scolaires, des étudiants, des femmes en particulier avec plusieurs programmes pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin, des programmes pour les grands comptes, les PME et les TPE. Et nous offrons aussi des solutions pour les entreprises qui en ont besoin, des solutions d'hébergement pour rechercher des locaux. Voilà. Donc en 2020, on a accompagné une trentaine de projets, 12 en parcours incubation, 12 en parcours développement et 7 en parcours croissance. Voilà. Nous organisons des manifestations autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat, notamment en fin d'année avec le festival Eurekatech Fest. Bon, on n'a pas eu d'édition malheureusement en 2020, hein, mais comme beaucoup, on a été obligé d'annuler certaines manifestations, mais en tout cas, on compte bien tenir l'édition 2021. Donc, on croise les doigts. En décembre, on vous en dira plus. Vous pouvez suivre nos réseaux sociaux. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on a jusqu'à 19h30. On reste ensemble jusqu'à 19h30 pour discuter bande dessinée et transmédia. Charles-Alexandre, je te passe la parole. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Laetitia pour cette présentation. Donc moi je me présente, je m'appelle Charles-Alexandre Delestage, je suis chercheur postdoctorant au sein du Fabrique de l'Université de Poitiers. Alors je vais vous présenter en deux mots qu'est-ce que c'est que le Fabrique de l'Université de Poitiers. Eh bien c'est une équipe de recherche interdisciplinaire
qui travaille sur les industries culturelles et créatives. C'est une équipe qui, étant interdisciplinaire, regroupe 6 disciplines, donc les sciences de l'information et de la communication, les sciences de gestion, les sciences informatiques, l'art numérique, l'économie et les sciences juridiques. Et cette équipe a été financée sur des fonds CPER, FEDER. Donc nous remercions bien évidemment l'ensemble de nos partenaires qui sont l'Europe, l'État français, la région Nouvelle-Aquitaine et Grand Angoulême. Nous avons notamment des programmes donc, autour des industries culturelles et autour de l'immersion. Et il était donc tout naturel pour nous d'organiser la webconférence de ce soir autour de BD et Transmédia. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants pour cette webconférence. Je vais vous appeler par vos noms pour vous laisser l'occasion de vous présenter. Donc, on va commencer par Myriam Lamy. Myriam, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir convié à cette webconférence. Et merci aussi à Rocatec de nous avoir accompagnés en tant que porteur de projet. Je suis cofondatrice de Tsubomi Edition, qui est en gestation et en phase de parution. Une solution légale de lecture de manga en ligne via un abonnement mensuel. Je le développerai plus tard. Donc évidemment accompagné aussi par le territoire et Rocatec en tant que porteur de projet. De mon expérience et de ma participation sur le projet avec mon parcours de juriste en propriété intellectuelle dans la création numérique, on a travaillé également sur la stratégie juridique de la présentation et de notre modèle de diffusion et d'édition. Et on est 3 associés que je décrirai tout à l'heure. Merci Myriam. Donc nous accueillons également ce soir Gaëtan Lecoarère. Gaëtan, est-ce que tu peux te présenter également en quelques mots? Je pense que je peux le faire. Hein. Alors du coup, voilà, comme tu as très bien dit, je m'appelle Gaëtan Lecoarère, je suis doctorant donc, en sciences de l'infocom, donc la formation de la communication et sciences de l'art. Mon sujet de recherche, c'est la bande dessinée et les réalités mixtes vers de nouveaux espaces de narration. Donc, ce que j'envisage, moi, de mon côté, c'est d'étudier la bande dessinée au travers des dispositifs interactifs et immersifs, donc ce qu'on pourrait penser comme la réalité virtuelle, c'est-à-dire le casque de 3D immersif qu'on peut poser devant ses yeux, et aussi la réalité augmentée, donc la réalité augmentée qu'on connaît plutôt via des applis téléphone, smartphone, et qu'est-ce qui se passe en fait si on fait des expériences qui mélangent un peu ces deux concepts là, de réalité virtuelle et augmentée, ben on tombe sur de la réalité mixte rapidement. Et moi ce qui m'intéresse c'est ça, donc c'est comment penser la bande dessinée là-dedans, à partir de quelle méthodologie, et essentiellement ben, ça va être au travers d'un travail de recherche, c'est pour ça que je fais une thèse, et ça va être aussi à travers une pratique de création de projets, que je présenterai aussi ce soir, qui me permet de mettre en place et d'expérimenter voilà, quelques concepts, quelques expériences aussi, et voilà, quels espaces je peux travailler, et quel est le statut du lecteur, est-ce qu'il y a des choses qui sont bouleversées, on va s'apercevoir que oui, et voilà, essentiellement. Parfait, merci, et on salue bien évidemment tes directeurs de thèse, Ghislaine Chabert et Marc Vera. Voilà. Et bien entendu, nous accueillons avec grand plaisir en dernier, mais ce n'est pas le moindre, comme le dit l'expression consacrée, Jean-Philippe Martin. Donc Jean-Philippe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonsoir Jean-Philippe Martin, je suis donc conseiller scientifique recherche à la Cité internationale de la bande dessinée. On peut considérer que j'ai une petite connaissance de la bande dessinée qui fait que, à ce titre... Au titre de cette expertise, j'interviens sur un certain nombre de projets et notamment d'actions qui généralement s'articulent autour de notre centre de documentation et de recherche, la Cité de la Bande Dessinée, hein, la Cité de la Bande Dessinée qui était un lieu ressource sur la bande dessinée, je ne m'étends pas trop, pour ne pas prendre trop de temps de parole, mais qui est le centre de ressources national hein, sur la bande dessinée et qui donc dispose de ressources, qui sont les premières ressources en France, peut-être même en Europe, sur le monde de la bande dessinée, et qui donc nous permet à la fois d'étudier la bande dessinée
telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle se conçoit et telle qu'on va la concevoir. On est en quelque sorte aussi un centre, un observatoire de la bande dessinée sous toutes ses formes. Et donc, c'est aussi à ce titre que, évidemment, on s'intéresse à ces formes, j'allais dire émergentes, on n'en est plus là, parce que c'est déjà émergé depuis quelque temps, mais aux transformations, aux évolutions de la bande dessinée, à travers notamment le numérique. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe. Et bien de toute façon, pour commencer cet atelier débat, je vais rapidement te rendre la parole, étant donné que bien, pour poser quelques bases, étant donné que ce soir on va parler de bande dessinée et de transmédia, tu as préparé un petit état des lieux sur... Oui, parce qu'il nous... Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, parce qu'il nous a semblé effectivement que... d'aborder à brûle-pourpoint le sujet risquait peut-être d'être un peu problématique pour ceux qui notamment ne connaissent pas grand-chose ou pour éviter certaines confusions sur ce qu'on appelle la bande dessinée numérique, le transmédia, etc. Donc il m'a semblé intéressant effectivement de faire un petit rappel à la fois rétrospectif et puis du contexte qui permettra à mon sens d'établir aussi la discussion qui va suivre. Donc je vais appeler, j'ai effectivement une petite présentation que je vais m'efforcer de partager. Alors, là, voilà. Donc, c'est effectivement, j'ai proposé de faire un état des lieux. Alors, je serai. L'état des lieux est assez complet, assez long, mais je vais m'efforcer d'être assez rapide et de passer peut-être plus rapidement sur un certain nombre de sujets, sachant, comme il a été dit, que ce document, cette présentation, vous pourrez la récupérer dans le cadre de la diffusion du webinaire. Donc, je me suis tout d'abord interrogé sur la question de la bande dessinée numérique, parce que l'expression désormais est assez bien installée, mais souvent, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre. Donc, la définition sur laquelle on s'arrête concernant la bande dessinée numérique, c'est grosso modo les bandes dessinées qui... ça désigne, pardon, les bandes dessinées qui sont destinées à être lues sur des écrans de toutes sortes, hein, d'ordinateurs, de liseuses, de téléphones... tout type d'écran peuvent être des supports de cette bande dessinée. Et on en distingue, je le fais vraiment à la serpe, hein, ça pourrait être un peu plus pointu, mais disons que pour poser les choses, ça me paraissait être plutôt... il fallait rester un peu binaire, surtout quand on parle du numérique. Donc on distingue grosso modo deux types de bandes dessinées numériques, ce qu'on appelle les bandes dessinées numériques homothétiques. Donc pour que chacun comprenne, il s'agit grosso modo de bandes dessinées qui, la plupart du temps, et même quasiment tout le temps, n'ont pas été conçues pour être lues sur les écrans, qui ne sont donc pas numériques à la base, mais qu'on numérise, qu'on transforme donc en objet numérique pour pouvoir être lues sur les écrans. Il y a les bandes dessinées numériques dites natives, qui elles sont créées, donc qui sont numériques au moment de la création et qui sont créées pour être lues sur des écrans et qui la plupart du temps donc s'adaptent aux modalités de lecture sur les écrans, c'est-à-dire à nos pratiques de lecture sur écran, que ce soit le déplacement d'une page à l'autre, que ce soit le fait de scroller sur une page, de faire des agrandissements, etc. D'intégrer d'autres médias que peuvent être le son ou de l'animation, etc. Tout ça va contribuer à constituer ce qu'on appelle la bande dessinée numérique native. Alors, pour faire un point, mais très très rapide, rétrospectif sur l'émergence de la bande dessinée numérique, je renverrai à quelques éléments qui sont des éléments de référence, qui sont des éléments de datation un petit peu des choses, pour montrer déjà que le phénomène n'est pas un phénomène tout récent. On parle souvent de bande dessinée émergente, de nouveaux médias, etc. Quand on regarde précisément l'histoire de la bande dessinée dite numérique, on se rend compte qu'il y avait déjà des phénomènes de transformation de la bande dessinée ou de passage de la bande dessinée vers le numérique. J'en ai répertorié ici quelques-uns, je ne m'appesantis pas trop. Donc, depuis les premières bandes dessinées en ligne qu'on répertorie, qu'on trouve aux États-Unis déjà dès les années 80, les premiers webcomics toujours aux États-Unis,
pour aller donc dans les années 90, les premières bandes dessinées sur Internet, avec notamment des références très fameuses, enfin qui l'étaient à l'époque en tout cas, qui peut-être maintenant sont un peu perdues dans le temps, Argon's Arc, comme par exemple Argon's Arc, qui était un peu la référence du passage de la bande dessinée ou de l'arrivée de la bande dessinée sur le numérique, en numérique. Et puis j'insisterai plus particulièrement sur un auteur qui s'appelle Scott McCloud, qui est à la fois auteur de bande dessinée, théoricien, développeur web, et qui très tôt en fait a réfléchi à le passage ou le portage de la bande dessinée dont il avait la pratique. Hein. Il est auteur de bande dessinée, il a travaillé chez Marvel, il fait de la bande dessinée papier classique, si je puis dire. Et puis un jour, dans son cheminement intellectuel et créatif, il s'est intéressé à ce que pourrait apporter le portage de la bande dessinée, de sa pratique de la bande dessinée sur les écrans, avec comme réflexion celui de se servir des ressources des écrans, de l'Internet, du web, et de la navigation et de la lecture sur les écrans pour travailler sur de nouvelles formes de bande dessinée. Et puis sur un rapport aussi plus économique, de relations entre le créateur et puis le lecteur, j'y reviendrai rapidement. Scott McCloud, pardon, dans les années 90, à la fin des années 90, enfin, milieu des années 90, a commencé à mettre en place des structures qu'il a continué à appeler des bandes dessinées, qui fonctionnaient donc sur des modèles, qui étaient les modèles de création d'architecture, par exemple, sur Internet. Comme ici dans cette image, alors je ne sais pas si elle est. Je vous montrerai si j'ai le temps à la fin de cette présentation. J'ai quelques images, quelques présentations actives, si je puis dire, où on voit un petit peu le principe. Donc là, l'idée en fait, c'était de naviguer dans une bande dessinée selon un modèle en fait de défilement vertical et d'accéder donc à une portion d'image. Vous voyez là, on a le scénario. L'architecture de la bande dessinée qui est déployée ici, et on navigue en fait avec un pointeur, avec un clavier, peu importe, pour accéder d'une image à l'autre, et on se déplace donc d'une case à l'autre, comme on le fait en lisant une bande dessinée sur papier. Là, c'est un petit peu le même principe, hein, il avait développé là tous ces scrolls, là sont des bandes dessinées scrolls justement, enfin, à défilement sur écran, qui nécessitait donc une navigation par clic. Je crois que j'en ai un exemple dans ce que j'ai fait, dans ce que je propose à la fin de la présentation. Donc le premier à avoir réellement réfléchi à ces implications à ce portage de la bande dessinée sur le web, Scott McCloud, a d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il a enclenché quelque chose, mais en tout cas, il est arrivé à un moment où vraisemblablement la réflexion, une réflexion plus générale d'ailleurs sur l'intérêt qu'on pouvait avoir à travailler artistiquement sur la toile commençait à se faire jour un petit peu partout, et où des industriels, des entrepreneurs pouvaient trouver intérêt à le faire pour porter des projets qu'ils avaient du mal à porter sur des supports plus traditionnels. Et donc c'est comme ça que, par exemple, est apparue en Europe la toute première bande dessinée, j'en ai pas trouvé d'autres exemples en tout cas, à caractère on va dire industriel, développée par une entreprise, qui à l'époque était Index Plus, qui était une branche de France Télécom, et qui avait donc développé un CD-ROM, je pense qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de ce support, donc un CD-ROM intitulé l'opération Teddy Bear, qui était donc réalisé par un auteur qui s'appelle Édouard Lussan. Donc vous voyez la date, hein, 1994, et Édouard Lussan, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui, pareil, comme Scott McCloud, avait une pratique d'auteur de bande dessinée traditionnelle sur papier, et qui avait démarché un certain nombre d'éditeurs classiques, traditionnels, pour leur proposer cette fameuse opération Teddy Bear, et puis il s'était cassé le nez un peu partout, et par un cheminement que j'ignore, mais toujours est-il qu'il en est venu à proposer un projet qui, en reprenant la structure de sa bande dessinée, devenait un objet multimédia. Et donc, c'est devenu l'opération Teddy Bear, qui a donc été développée par Index Plus. À l'époque, c'était des développements assez coûteux. Hein, ça intégrait du multimédia, du son, la navigation se faisait en cliquant case sur case. Et il y avait, dans les
modalités de lecture, je vais y revenir parce que ça me paraît être un point très important, une forte dimension interactive, très proche en fait des navigations de la lecture qu'on peut à laquelle on est habitué pardon dans le jeu vidéo. Et donc bon, il y avait dans l'opération Teddy Bear une progression dans la lecture qui s'apparentait en fait à une progression dans un jeu, et cette progression se faisait par la recherche par exemple d'indices sur la page en cliquant, en repérant, il y avait des petits indices, des petites loupes. Bon. Pour tout dire, c'était une expérience un peu pénible, parce que la lecture en était longue, pour accéder à une case, pour que la case s'illumine et qu'on voit ce qu'il y avait dedans, parfois il fallait tout un processus qui pouvait s'avérer très long, pour rechercher les indices, etc. Et l'intérêt, du coup, pour l'histoire elle-même se perdait. Mais ça reste malgré tout un élément fort en fait de possibilité de travailler sur de nouvelles formes de bandes dessinées sur les supports numériques. Je passe rapidement sur d'autres événements qui ont amené à ce portage, l'émergence par exemple de webzine à la fin des années 90 et dès le début des années 2000 sur énormément de sujets. Hein. On peut considérer que le phénomène du fanzina papier s'est reporté, ou en tout cas a trouvé de nouvelles manières de s'installer sur la toile, et donc sont apparues quantité de revues, de journaux amateurs, donc ces fameux webzines, dont notamment celui qui s'appelait Abdeline de Julia Falgas, qui est un peu le modèle, qui était un peu l'emblème de ce que la bande dessinée en ligne, ce que le fanzina, le BD en ligne pouvait être. Je passe aussi sur l'émergence, enfin, je passe très vite sur l'arrivée des premiers sites, toujours dans ces années-là, 2000, consacrés à l'actualité, à la critique de bande dessinée, forums de discussion où on parlait de bande dessinée, parfois on en voyait peu, j'en donne voilà, quelques exemples. Hein, que pour certains, sont toujours vivants. Je pense les deux premiers, la BD Zoom et Actua BD, font partie des premières revues, donc, qui à l'époque étaient des revues amateurs ou amatrices, de bandes dessinées qui, avec le temps, se sont professionnalisées et aujourd'hui continuent à être publiées et sont devenues des revues de référence qui ne publient pas de bandes dessinées numériques, mais qui sont des points de présentation de la bande dessinée. Et qui ont du coup, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça a acclimaté aussi les lecteurs à la possibilité d'aller chercher de l'information, non plus dans les médias traditionnels qui étaient les journaux papier, mais d'aller la chercher sur le net. Et de pouvoir s'orienter, se déplacer, pardon, dans les publications bande dessinée papier et puis peu à peu numérique. Alors, donc et peu à peu en fait s'est développé ce que j'appelle moi un deuxième monde du 9e art. C'est une appellation assez, c'est une nomination que j'utilise depuis maintenant un petit peu de temps pour montrer que il y a une vraie communauté, une vraie activité de production de bande dessinée qui s'est mise en place en marge ou à côté de la production identifiée, de la production qu'un grand nombre de personnes connaissent, identifient, qu'on retrouve dans les librairies. Et pendant très longtemps, pendant toutes ces années, s'est mise en place une production qui était vraiment destiné à la lecture sur les écrans, mais dont le public avait très très peu connaissance. J'en ai répertorié quelques-unes qui ont évolué dans le temps et qui ont contribué donc à créer ce deuxième monde. Il y a ce qu'on appelle la scanlation. Alors, je ne sais pas si ce terme un peu barbare va parler, le scan trad, qui correspond en fait, qui est un terme qui désigne en fait une pratique qui est celle de numériser des bandes dessinées, de numériser plutôt une traduction de la bande dessinée et de diffuser celle-ci. Enfin, pour être plus exact d'ailleurs, la scanlation qui est née avec le phénomène, avec la recrudescence de la publication et de la diffusion du manga, hein, c'est vraiment lié à ce phénomène. Servait au tout départ à permettre à des amateurs de manga qui ne vivaient pas au Japon de pouvoir accéder, alors que les traductions étaient très longues, on accédait à
des traductions de bandes dessinées à l'époque, plusieurs mois après la parution au Japon. Et puis, il y avait beaucoup moins de publications qu'on en connaît aujourd'hui en papier. Et donc, bah, des amateurs, c'est vraiment ça, des fans, des passionnés de manga, récupéraient, ne pouvaient pas attendre la publication en français, donc récupéraient, dans une autre langue, récupéraient les versions, au tout départ, c'est des versions japonaises, souvent avec, parfois sans traduction, mais au moins avaient une idée de la suite de l'histoire qu'ils suivaient. Et puis très vite, en fait, le phénomène s'est un peu amplifié, on a commencé à les traduire, souvent très mal, et puis c'est devenu un phénomène industriel carrément, et à telle enseigne d'ailleurs que ça concurrence la production classique, traditionnelle de bande dessinée, c'est un piratage, hein, c'est totalement illégal, mais en tout cas ça a contribué à populariser d'une certaine manière la diffusion de la bande dessinée sur les écrans, pardon, qui n'a rien à voir évidemment avec ce que propose Tsubomi, dont on va parler tout à l'heure, hein. Là je parle d'une pratique qui est totalement illégale. Parallèlement à ce phénomène de la scanlation, donc il y a eu l'émergence des réseaux sociaux qui ont contribué aussi à faire de la diffusion de bandes dessinées, des plateformes, alors plusieurs plateformes ont émergé elles aussi et ont contribué à montrer dans un premier temps du travail en train de se faire ou de la bande dessinée. Je mentionne Twitch parmi les plus récentes parce que certes sur Twitch on va voir des gens jouer à des jeux vidéo, mais aussi aujourd'hui on observe, on peut aller rencontrer des auteurs qui vous proposent des séances de création en direct de leur page et parfois de création de bandes dessinées qui sont destinées à être lues sur les écrans. Et ça obéit en fait, ces réseaux sociaux, la manière dont les auteurs progressivement s'en sont emparés ou s'en emparent, ça obéit, si je puis dire, à grosso modo deux stratégies qu'on peut observer. La première, c'est celle d'amateurs qui en fait publient sur les écrans pour avoir du retour et puis éventuellement progresser, devenir peut-être professionnel. Et puis celle d'auteurs confirmés pour qui cette diffusion peut être un moyen, d'une part, de faire le lien avec les lecteurs, de s'en constituer une communauté. Et alors je mets du plaisir à chaque fois dans chacune des pratiques, hein, parce que c'est aussi ce qui est recherché, notamment dans le lien avec le lecteur, c'est de pouvoir avoir un contact de plaisir en partageant des productions qui sont les nôtres. Et puis, pour un auteur confirmé, puis pas nécessairement confirmé, un auteur tout court, ça peut, dans la création d'une communauté, être aussi sinon l'assurance, en tout cas, contribuer à, d'une part, faire connaître, et puis, pourquoi pas, à vendre sa production. Donc, j'avance un peu plus rapidement. Donc, je passe très vite hein, sur un... Je montre là quelques images de production, de blogs ou de sites web qui, dans le temps, ont constitué, dans le cadre notamment de la blogosphère, des vraies références en fait, de production de bandes dessinées numériques. Donc voilà, il faut se rappeler que Pénélope Bagieux, par exemple, avant d'avoir une carrière prestigieuse dans le papier, a eu une carrière tout aussi prestigieuse, mais évidemment moins connue d'une communauté qui lisait de la bande dessinée sur Internet et qui d'ailleurs, en fait, la popularité de Pénélope Bagieux, elle doit, à mon sens, beaucoup au fait qu'elle a d'abord été populaire sur les réseaux et à travers les publications sur les réseaux. Je mentionne très vite une expérience qui était une expérience très intéressante, en fait, qui était le premier, je reviendrai sur les questions, les modalités économiques, etc., mais qui a été une première grosse aventure dans les années 2000 de ce que leurs auteurs ont appelé une novella numérique sur le modèle de la télé novella, donc ces feuilletons à rallonge qu'on voit sur les écrans télé. Eh bien, un scénariste de bande dessinée venu de la bande dessinée traditionnelle, Thomas Kaden, avait imaginé une série sur ce principe-là, mais sous forme de bande dessinée, et diffusée donc sur le net, avec une particularité qui était que parmi les particularités, il avait fait appel à
des dizaines d'auteurs qui ont alimenté, qui réalisaient des segments de cette bande dessinée, donc qui s'est étirée sur je ne sais pas combien de centaines de pages. Cette entreprise artistique avait pour vocation et pour objectif de financer, de permettre aux auteurs qui y contribuaient d'être payés pour leur travail, ce qui aussi est une première, enfin en tout cas constitue une forme de première à l'époque, parce que à ce jour ou jusqu'à ce moment-là, le modèle économique et la rémunération des auteurs travaillant sur le web était quasiment inexistante, enfin ça n'était même pas envisageable. Là, il y avait l'idée de la mise en œuvre ou de la mise en place d'un modèle permettant à des auteurs travaillant strictement ou directement pour le numérique d'espérer pouvoir toucher quelques subsides. Donc l'aventure a pris fin après 2 ans, je crois, d'activité et l'ensemble des autres gens donc, a été édité sous forme papier par les éditions Dupuis. Donc ça représente vraiment, il y a 12 volumes, je crois, assez conséquents. Et donc ça a trouvé une deuxième vie sous forme papier. Donc j'avance rapidement. Oui, je voulais aussi mentionner une des dernières, un des derniers phénomènes importants, identifiables, quand je dis dernier, c'est que c'est quelque chose qui a émergé ces dernières années, ce qu'on appelle donc le webtoon, qui est une bande dessinée. Donc je pense que c'est un terme qui parlera à beaucoup d'entre vous parce que c'est une forme de bande dessinée en ligne, une forme de bande dessinée numérique dont on parle beaucoup ces derniers temps, dont on dit même que ça pourrait être le modèle qui la bande dessinée numérique se cherchant plus ou moins un modèle depuis plusieurs années, et que le webtoon pourrait être ce Graal que certains cherchent depuis plusieurs années. Donc c'est une bande dessinée qui est publiée directement en ligne. C'est un type de publication qui historiquement trouve sa source en Corée du Sud, où aujourd'hui en Corée, le mode de lecture de la bande dessinée se fait quasiment, j'allais dire essentiellement, en tout cas dans un premier temps, sur le web. C'est-à-dire que aujourd'hui, la lecture sur papier est devenue accessoire et que la lecture sur les écrans, est devenue première. Hein, on commence par lire de la bande dessinée sur écran et puis certaines vont être imprimées, d'autres pas. Et donc l'économie de la bande dessinée au Japon, elle repose essentiellement sur le numérique. C'est une bande dessinée qui peut intégrer du son, de l'animation. La plupart du temps, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, l'animation est très rudimentaire. Hein, il ne s'agit pas de quelque chose de très, très produit, très développé. C'est vraiment, sont généralement des segments qui sont assez pauvres en la matière. Et puis, ce qu'on peut retenir, c'est que ça a tout d'abord été très, très populaire, comme je le disais, donc, en Corée, puis dans les autres pays asiatiques, le Japon, la Chine pour une certaine part, et aujourd'hui le webtoon est installé ou s'implante un petit peu partout dans le monde, hein, j'ai mis sur tous les continents, je pense que c'est une réalité, et donc le principe de la lecture est assez simple, je vais vous montrer quelques exemples là, c'est ce qu'on appelle donc le scrolling, autrement dit on lit la bande dessinée verticalement, généralement c'est une case après l'autre. Parfois, c'est un peu plus complexe, mais disons que le système de base, c'est celui-ci. Donc oui, je voulais faire un point particulier quand on parle de numérique sur la question de l'interaction. Parce qu'il me semble, moi, que la première des distinctions qui s'établit quand on parle de bande dessinée numérique native, qui les distingue d'ailleurs des bandes dessinées homothétiques, qui, rappelons-le, ne sont pas au départ des bandes dessinées homothétiques faites pour être lues sur les écrans. C'est-à-dire qu'on a détourné au fond un objet de sa finalité initiale. Et donc quand en revanche on réfléchit à la manière de travailler, de développer des bandes dessinées destinées à être lues sur les écrans, un des éléments qui me semble être la caractéristique première, fondamentale de toute création de bandes dessinées numériques, c'est cette dimension interactive. Donc je l'ai évoqué pour l'opération Teddy Bear. Je montre là, ce ne sont que des images, hein, elles ne sont pas jouables. Le principe, on le voit ici avec, alors je ne sais même plus ce que c'est comme bande dessinée, mais peu importe.
une bande dessinée qui, par exemple, proposait au lecteur, de constituer au fond sa lecture en déplaçant, on le voit ici, là, en déplaçant une case pour reconstituer. Alors évidemment, là, il s'agissait plus d'une expérience façon puzzle où on déplace une case pour reconstituer un ensemble. Et c'est pas le fait de placer de manière aléatoire la case qui va à chaque fois constituer un sens particulier. Hein. On n'a pas une multiplicité de composantes dans ce cas précisément. Mais dans d'autres, ça va être un peu différent. Justement, avec notamment les travaux qu'avait développé Scott McCloud sur ce que j'ai résumé là. Bon, ça peut paraître un petit peu barbare, mais c'est ce que j'ai trouvé mieux pour résumer en fait les pratiques, ce que j'ai donc appelé arborescence et plurilinéarité, c'est-à-dire qu'à partir d'un scénario liminaire, on puisse naviguer et lire en se déplaçant en fait dans une bande dessinée à un multiple développement. C'est-à-dire qu'on peut avoir, c'est donc la question de la plurilinéarité, c'est qu'on peut se déplacer et lire une bande dessinée en empruntant en fait plusieurs cheminements. On peut choisir en fait d'aller vers l'une ou l'autre des possibilités, un peu comme, voire beaucoup d'ailleurs sur le principe de ce qui était l'histoire dont vous êtes le héros. Je pense que vous connaissez ce principe, hein, où on avait généralement le choix entre deux possibilités de déplacement. Bon, là, dans certains cas, ce sont des dizaines de possibilités qui s'offrent à vous. McCloud a développé beaucoup de jeux de cette sorte, où il multiplie les embranchements, c'est-à-dire qu'à un nouvel embranchement, il y en a 10 autres qui s'opposent à vous, et ainsi on peut créer, entre guillemets, des dizaines d'histoires à partir d'un segment initial. En fait. Et un des exemples que je vous invite à aller découvrir, qui est qui est d'une part très intelligent, très bien fait, qui exploite vraiment beaucoup ces possibilités interactive, c'est une œuvre qui s'appelle Meanwhile de Jason Shiga, qui est déjà assez ancienne, hein, puisqu'elle a une dizaine d'années, que a priori on doit pouvoir retrouver sur le web, et qui voilà vous propose vraiment une expérience de cet ordre et très intéressante. Alors une encore plus complexe et qui travaille aussi sur ce phénomène de plurilinéarité. C'est la bande dessinée, travaillée à partir de la bande dessinée papier de Richard McGuire qui s'appelait Here, qui déjà dans le principe de la bande dessinée papier vous proposait en fait une lecture à plusieurs niveaux. Et là, pour le portage sur la version numérique, c'est-à-dire l'idée de faire autre chose et de ne pas, comment dire, faire une duplication de la version papier. Richard McGuire a repris ce principe d'une lecture à plusieurs niveaux, mais cette fois-ci en créant ou en s'inspirant de cette plurilinéarité dont je parlais à l'instant. Et notamment, il a créé, en fait, il a généré véritablement une base de données sur laquelle, on peut reprendre des séquences entières, des images, et on va créer, en fait, des possibilités d'histoire presque à l'infini au fond, en associant des mots, en associant des cases, en associant même des couleurs en fait, qui vont engendrer des possibles narratifs. Et alors celui qui pour moi incarne, celui qui peut-être a le plus cherché dans le domaine de la aujourd'hui, hein, dans le domaine de l'interactivité, des possibles narratifs et des possibilités offertes par le web, c'est un auteur qui s'appelle Anthony Rajol, qui est un chercheur qui même d'ailleurs a soutenu une thèse sur la bande dessinée numérique, dans laquelle il définit en fait ce qui pour lui est la bande dessinée, la véritable bande dessinée numérique, et donc c'est lui qui met l'accent notamment sur la dimension interactive de la BD numérique, mais qui donc est à la fois un théoricien, mais aussi un praticien, puisque donc c'est un artiste, et qui a mis en application, et d'ailleurs sa thèse en fait repose
quasi essentiellement sur sa pratique et le développement de sa pratique. Il a même identifié d'ailleurs, parce que la question se pose maintenant depuis un certain temps d'ailleurs, sur est-ce qu'on doit continuer à appeler ça de la bande dessinée. Je vous montrerai, si j'ai le temps tout à l'heure, un exemple de redéfinition de la bande dessinée, en tout cas de travail sur la bande dessinée, pour laquelle l'autrice a même éprouvé le besoin de changer la terminologie, c'est-à-dire qu'elle ne parle plus de bande dessinée, mais de bande défilée. De son côté, Anthony Rajol continue à appeler ça de la bande dessinée numérique. C'est important de toujours accoler l'adjectif numérique. Et en revanche, pour bien définir la position du lecteur, cette position donc d'intervenant, d'acteur, il parle du lecteur comme du lect-acteur, autrement dit du lecteur-acteur. Ce qu'il nous démontre dans une bande dessinée qui s'appelle Prise de tête, donc qui raconte l'histoire d'un personnage. Enfin, l'anecdote n'est pas très très intéressante, pas très importante. C'est quelque chose d'assez poétique, mais dans lequel il a exploité en fait toutes les possibilités possibles et imaginables d'utilisation des ressources numériques, c'est-à-dire à la fois comme je le dis là, le clic, le défilement, le cliquer déposer. On voit ici sur les quelques exemples là, pour le coup, en fait, le déplacement d'une case dans l'espace permet de composer ou de recomposer une histoire. Là, on voit le déplacement de l'objet en cliquant sur les flèches ou les scrolls des fenêtres, là, permet de recomposer une forme et donc de composer une autre histoire, ou permet au personnage de se déplacer d'une case à l'autre. Il y a encore tout un tas d'autres, le glisser-déposer, enfin bref, il y a tout un tas de dispositifs qu'il a mis en œuvre et qui sont, à mon sens, autant de possibilités qu'offre le numérique. Alors, à cette différence que lui, dans cette première forme, là, dans ses travaux du côté de Prise de tête, il n'intègre pas d'autres formes multimédia, d'autres médias, pardon, comme par exemple le son ou l'image animée. Il travaillera plus tard, notamment quand il développe d'autres bandes dessinées. En turbomédia, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif de création de bande dessinée avec une dimension animée, et il s'ouvre progressivement d'ailleurs à d'autres médias dans d'autres productions. Pour terminer, avant de laisser la parole aux autres intervenants, je voulais très très rapidement en fait, ou peut-être qu'on pourra en parler plus tard en réalité, parler de l'économie et des intérêts du numérique et de ses faiblesses actuelles. Mais peut-être que je peux m'arrêter là pour l'instant, laisser la parole à nos camarades et puis revenir quand on discutera précisément de la question des questions économiques du numérique, peut-être revenir sur des données que j'ai compilées. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cet état des lieux assez complet. C'est complet, malgré tout. Donc, je rappelle que pour toutes les ressources dont on parle lors de cette conférence, vous retrouverez les liens sur la VOD. Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous êtes en train de regarder cette vidéo a posteriori. Donc, Myriam, je pense qu'on a pas mal discuté déjà de l'émergence autour des webzines autour des années 2000 avec des projets comme Index Plus dont nous parlait Jean-Philippe Martin. Et j'aimerais que vous déjà nous présentiez un petit peu mieux votre société, donc Tsubomi Edition. En quoi ça consiste globalement? Tsubomi Edition, c'est une solution de lecture de manga en ligne. Par abonnement mensuel et avec des publications et des parutions chaque mois. Elle s'identifie par le fait que nous signons directement avec les auteurs, donc nous sommes maison d'édition. Donc c'est du contenu original qui est présenté sur l'application qui est en développement, hein, bien sûr. Elle est un petit peu sous une formule un petit peu comme Netflix, pour être un peu vulgaire, pour vulgariser, on va dire, les choses, avec un catalogue qu'on remplirait et qu'on remplit au fur et à mesure des mois, et avec un abonnement sous engagement sur un catalogue enrichi, donc avec
une promesse de tant de chapitres uploadés dans l'application. Cette application proposera donc plusieurs types de mangas, dans le sens typologie de manga suivant les préférences des lecteurs, et sera en multilingue, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Martin. On s'est rendu compte, en fait, sur la genèse du projet, que d'une part, il y avait des talents qui dormaient au Japon, des talents de mangaka, que d'autre part, il y avait une grande demande de manga et elle était de plus en plus en croissance pour les lecteurs de manga, de BD et de manga, et que la proposition du numérique était très faible. Il y avait justement ce dont parlait Monsieur Martin, le scantrad, voilà, c'est-à-dire par empressement aller scanner et aller se traduire directement des parutions japonaises qui arriveraient ou pas sur le territoire, si on parle de la France, français, et souvent avec des qualités un peu médiocres et de scan, enfin de scan et de trad, et souvent sur des sites illégaux qui ont aussi fait du business avec évidemment des pubs et des pop-up avec toute la mythologie de pubs et de pop-up qu'on peut avoir embarqué sur de la proposition de lecture de manga. Donc c'est pas très confortable et c'est pas très respectueux non plus des auteurs et des lecteurs. Donc, on s'est dit, alors, les trois associés, c'est Yacine Lalmi qui a créé le projet et qui est en lien directement avec le Japon depuis 6 ans, qui lui fait les partenariats en direct avec les auteurs et voir les maisons d'édition sur le Japon. Et donc, avec une culture du Japon et des auteurs, on arrive à cibler, à trouver des auteurs et de qualité de talent. L'ermite moderne, Fadatim il s'appelle, mais son nom de code, l'ermite moderne, qui est un youtubeur de la culture geek manga, qui nous aide lui en community manager et en communication de masse, parce qu'on est sur un produit, une proposition en pure player, totalement numérique. Et moi, qui suis spécialisée dans les propriétés intellectuelles en droit d'auteur et spécialisé en numérique et en innovation, on travaille sur une stratégie pour avoir la maîtrise de la chaîne de droit dès le début, pour éviter d'une part les intermédiaires et qu'on soit à la fois éditeur et diffuseur. Ainsi, on peut avoir un business model qui rémunère les auteurs. Alors, sur le principe évidemment du droit d'auteur français, qui est très protecteur, et qui permet donc une rémunération sur les droits numériques et sur les droits dérivés pour les auteurs, et qui permet aussi une simultanéité de production et de lecture. Pourquoi une application numérique ? Ben pour la rapidité, on va dire, de diffusion et pour une large diffusion internationale. Pour l'instant, c'est notre objectif. Mais déjà, si c'est en Europe, ce sera pas mal, mais à l'international. Et les mangaka ont une culture de la production qui est au mois ou à la semaine ou au semestre parce qu'ils sont périodiques dans leur production. Et les lecteurs de manga sont périodiques dans leur lecture. On n'a pas créé d'innovation dans le sens où on s'est basé sur la prépublication japonaise, qui est une prépublication papier, qui est périodique, qu'elle peut sortir toutes les semaines ou tous les mois suivant les maisons d'édition. On appelle ça le jump. Et à chaque fois, il y a un chapitre ou deux de plusieurs auteurs, donc d'une quinzaine d'auteurs, avec une enquête de satisfaction à la fin. Et en achetant en fait le périodique, tous les semaines ou tous les mois, la personne peut suivre son épisode, comme le précisait M. Martin, avec cet empressement d'aller chercher la suite. Et en même temps, ça permet d'avoir un retour sur les succès pour les maisons d'édition, pour pouvoir faire un choix d'éditer en one shot sur un auteur, un ouvrage, et de le propulser, quoi. On fait la même chose en numérique. On propose, pour l'instant, on est sur une vingtaine d'auteurs avec lesquels on a signé ou on est en phase de signer.
on a une promesse de contenu pour le lecteur, c'est-à-dire de chapitres, de nombre de chapitres nouveaux et de suivi. On a un protocole de livraison qui se met en place pour que justement on ait de la qualité en termes de numérique. Donc là, c'est de l'homothétique, comme disait Monsieur Martin, mais en tout cas, je dirais que c'est numérique dans la stratégie de l'usage plutôt que dans la création. Et on va avoir, par exemple, plusieurs fichiers qu'on va recevoir pour pouvoir gérer justement la traduction et le lettrage. Donc, pour l'instant, traduction sera faite en France, du coup, japonais, français, anglais. On pourra switcher de langue. Voilà. Ça permet également d'avoir une proximité avec l'auteur qui est très recherché, notamment chez les lecteurs de manga, parce qu'on va pouvoir relayer alors justement ce côté transmédia. Alors, ce sera pas la BD qui sera transmédia, mais ce sera le vecteur qui fera que ça sera transmédia ou cross-média, ce que nous aussi on peut appeler la gamification, c'est-à-dire passer par tous les réseaux sociaux. Ça, c'est notre stratégie de communication. Donc, on a une stratégie culturelle avec le Japon, stratégie juridique pour justement avoir d'une part l'ensemble des droits rémunérés suivant les règles du droit d'auteur, je précise, pour pouvoir avoir la maîtrise, on va dire, de la diffusion, de pouvoir l'adapter si besoin sur des petits teasers animés, de pouvoir vendre par exemple du produit dérivé qui est de corollaire des collectionneurs amateurs de manga par exemple. Et on a une stratégie de communication de masse, de communication et sur le produit, donc par notre associé Ermite Moderne, qui a quelque chose comme 300 000 abonnés déjà. Donc, si on travaille avec son network, et c'est le cas de YouTubeurs, on arrive à 4 millions. C'est-à-dire qu'on peut toucher déjà un public ciblé avec des YouTubeurs qui ont déjà gagné en légitimité. L'Ermite Moderne travaille déjà sur depuis 10 ans sur des thématiques éditoriales de geek manga, culture très très spécialisée, ils sont très très exigeants, donc notamment exigeants en traduction, exigeants en suivi. Donc on va pouvoir également travailler sur ces réseaux-là, notamment Twitch, YouTube, Discord, sur des canaux un petit peu médias et on va dire émission en fait périodique sur le net. On a pu la tester cette stratégie sur une campagne Ulule qu'on a fait en fin d'année entre novembre et décembre l'année dernière. Donc on a fait une campagne Ulule pour trouver des gens qui pouvaient participer à notre projet pour avoir des supports un petit peu tremplin, pour voir aussi l'impact que ça avait sur du public, pour avoir l'impact de nos abonnés YouTubeurs et pour voir quel nombre de préabonnements on pourrait avoir comme ça. Ça a été un succès dans le sens où on a largement dépassé les objectifs financiers qu'on a. On est passé à 400% de ce qu'on voulait, entre guillemets, voulait. Et surtout, on a vu qu'en ponctuant cette campagne Ulule de vidéos YouTube et de séances de Twitch, notamment avec un auteur de manga qui est venu dessiner en direct sur Twitch pour montrer que on voulait la proximité entre le lecteur et les auteurs. Ça a fait écho à pas mal de gens qui cherchaient un produit, c'est-à-dire du manga lisible sur Internet, de qualité ergonomique et légale. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts justement à payer quelque chose pour pouvoir lire du manga et original et confortable. Tu peux peut-être lancer, s'il te plaît, peut-être le parcours utilisateur, l'animation MP4, s'il te plaît, pour montrer un petit peu la présentation qu'on voudrait avoir sur les sorties de la semaine, par exemple, des mangas, spécialement pour vous, parce qu'il y aura un profil d'utilisateur avec, on va dire, des préférences qu'on va pouvoir vous proposer un petit peu sur, comme Netflix, une lecture, on va dire, un petit peu intuitive, sans forcément de tutoriel et didactique, à pouvoir taguer nos propres des marque-pages donc de lecture et des marque-pages personnels. L'utilisateur va pouvoir
taguer en fait des scènes et des pages pour pouvoir y retourner parce que ça lui a plu ou parce que ça l'a interpellé, voudrait y revenir. Voilà, ça tourne en boucle, tu peux l'arrêter s'il te plaît. Ça marche. Voilà. Pour proposer un petit peu le style, par exemple, d'auteur avec lequel on peut travailler, si tu veux bien mettre Kohoshima, s'il te plaît, juste le début. Et après, je te ferai couper. Ça marche. Je vais te montrer un petit peu les contenus qu'on peut avoir. Tsubomi, l'application et maison d'édition de manga 100% exclusif, vous invite à découvrir son prochain titre. Un manga exclusif riche en action et en baston vous attend sur Tsubomi Édition. Signé Kohoshima, voici Blue Seven, titre provisoire. Un duo qui ne respecte pas vraiment le silence d'une bibliothèque. En intégrant la Royal Library, le secrétaire Mikio pensait cela couler douce. Il était loin de s'imaginer que sa patronne, la malicieuse Ao, l'embarquerait dans une lutte contre les livres maléfiques. Merci. Vous venez d'entendre Fadatim, donc dit l'ermite moderne, qui présentait ça pendant la campagne Ulule de cet hiver. Donc voilà, donc travailler sur le réseau et la ramification qu'on peut avoir au-delà d'un site internet et au-delà d'une application téléchargeable sur smartphone, tablette et PC. C'est vraiment de créer un réseau et une communauté derrière, travailler sur le réseau, les réseaux existants, les réseaux qu'utilise la cible en fait de lecteurs de manga. Alors, je pense que tout le monde a au moins un manga chez lui, mais il y a quand même une cible qui va de 18 ou de 18 à 35 ans. Tard, on va essayer de poursuivre. Du coup, je me faisais une réflexion pendant que je vous écoutais tous, c'est que quelque part, la question du transmédia ne se joue pas tant sur la question du support et des aspects techniques de ce qu'on peut en faire, mais quelque part la notion de communauté est beaucoup plus importante et il y a beaucoup plus de portée sur ce côté-là transmédia. Peut-être Jean-Philippe ou Gaëtan voulaient interagir sur cette réflexion-là. Bah, oui, c'est une réalité effectivement. C'est un phénomène d'ailleurs très observé. Au fond, si on réfléchit bien à ce que c'est que la bande dessinée numérique, c'est une émanation de ce que, par endroit, on a appelé le 360. Enfin, c'est le modèle japonais, c'est-à-dire de la bande dessinée ou d'une création qui trouve des ramifications sur ou des dérivations sur d'autres supports et où on continue en fait à découvrir l'œuvre originale, que ce soit un film, que ce soit un jeu vidéo, sous la forme d'une bande dessinée papier il y a presque un modèle comme ce qui s'est établi où effectivement la question de la communauté est très forte, très importante, puisque chaque dérivation du scénario original est garantie, ou en tout cas la continuité est garantie par la communauté existante. J'ai un exemple que je donne assez souvent, peut-être très beaucoup plus parlant, qui est celui de, je suppose que tout le monde connaît Ankama et le jeu Dofus. Enfin, le mode de fonctionnement plutôt d'Ankama, avec notamment le jeu Dofus, dont le succès a consisté précisément à travailler presque directement avec les communautés constituées dans un premier temps du jeu, et puis des différentes émanations, dérivations de ce jeu. Et à telle enseigne, là, pour m'être un peu intéressé à la manière dont on travaille chez Ankama, dont on développe ces univers, il y a à chaque fois dans les équipes de développement quelqu'un qui est chargé de faire le lien avec les communautés précisément, avec les internautes qui suivent, avec les joueurs, etc., et qui prend en compte, qui recueille les avis des uns et des autres et qui pèsent, qui sont importants, puisque certaines recommandations, certaines suggestions vont modeler le développement en cours. Et ça va garantir évidemment un succès du produit une fois publié, édité, sorti, parce que la communauté va se reconnaître dans le produit qu'elle aura sous les yeux.
Et il y a beaucoup d'auteurs, vous parliez de, enfin un certain nombre d'auteurs, vous parliez de Twitch tout à l'heure, enfin Myriam parlait de Twitch, qui utilisent aussi ça, c'est une constitution de communauté sur des réseaux, sur les réseaux, pour travailler à la création ou avancer sur leur création en fonction des retours directs des lecteurs, des utilisateurs, des joueurs, enfin peu importe. Sur quel type de support on est, l'important, c'est effectivement cette question de la communauté. Okay, super, très bien. Je rejoins là, ce que disait Philippe à l'instant. Après, même, je pense qu'on peut même creuser ce phénomène-là un peu plus loin en sortant de l'idée de communauté, en allant essayer de trouver le même effet auprès de l'utilisateur même, en fait. Parce que là, on parle de communauté, ça fait des groupes d'individus, et on s'aperçoit que la bande dessinée, quand elle est pensée pour le numérique, ou elle est pensée pour le transmédia, qui est quand même une spécificité liée au numérique, en fait, l'expérience de lecture de la bande dessinée va être directement liée à l'utilisateur. Ce qui fait que même dans le processus de création de la bande dessinée, évidemment, la communauté a un rôle à jouer vis-à-vis du retour critique, vis-à-vis des attentes, etc., etc., etc. Mais l'utilisateur, la personne seule qui va faire l'expérience vraiment de l'œuvre illustrée, de l'œuvre narrative, est primordial dans la façon de prendre en compte en fait cette bande dessinée. Et l'auteur, s'il doit traiter de la narration, s'il doit mettre en place des récits, s'il doit illustrer des histoires, en fait, son travail ne s'arrête pas que là. L'expérience de l'individu face à l'œuvre ou au dispositif qu'il est en train de créer, en fait, et à toute sa part, en fait. Et ça, c'est un point que je pense qu'il est important de soulever, en fait. Au-delà de la communauté, l'utilisateur a vraiment, vraiment un rôle à jouer et il a toute sa part dans l'acte de création même, je dirais. Merci pour cette remarque. D'ailleurs, du coup, Gaëtan, tu as été très patient jusqu'ici, donc je vais te donner la parole. Il y a aussi un point, je pense, que tu vas pouvoir nous en parler un peu. On a parlé de la gestion de la linéarité des récits. Donc toi, tu es en train de travailler sur une thèse autour de la bande dessinée et du transmédia, justement. Donc tu vas nous parler un petit peu de ton travail de recherche sur la question. Oui, alors juste pour te reprendre, je ne travaille pas spécialement sur le transmédia. Je m'accentue plus, comme je le disais, sur la réalité mixte. Du coup, je vais toucher des questions qui sont tournées plus du côté de l'hypermédia, qui est encore autre chose, mais je vais peut-être pouvoir un peu en parler. Donc, en parallèle de la présentation que vous allez avoir sous les yeux, j'ai préparé quelques liens que je vais copier dans le chat. Bon, ça va faire j'ai trop de liens même. J'ai trop écrit d'un coup. Ouais, pendant que tu fais ça, je rappelle que tous ces liens seront également dans la description de la vidéo qu'il y aura en VOD ou que vous êtes en train de regarder si vous êtes en train de déjà regarder la VOD. Voilà, exactement. Merci de ton aide, Fernand-Alexandre. Voilà, donc première salve. C'est essentiellement des vidéos sur lesquelles je présente mon travail. Donc, pour revenir, voilà... Sur la diapositive, de ce que j'avais préparé en fait comme présentation, c'était de me présenter un petit peu, mais bon, on a déjà un peu fait le tour, donc je passerai la réponse à cette simple question. Je vais à un moment de ma présentation parler davantage d'un projet du coup sur lequel je travaille qui s'intitule Endoman et sur lequel j'axe ma recherche. Je fais des expérimentations justement pour traiter de la question de la bande dessinée avec l'hypermédia, et on va voir que ça crée un certain point de vue qui me permet ensuite de parler du transmédia. Et du coup, voilà, en dernière partie, peut-être que j'aborderai des questions liées à ce que j'ai appelé le monde du transmédia, mais c'est tout simplement essayer d'apporter des éléments de définition. Donc je vais reprendre certains auteurs qui sont quand même ancrés dans le domaine et qui vont peut-être vous aider à comprendre davantage de manière un peu plus directe qu'est-ce que le transmédia, quel rôle la BD peut jouer là-dedans, et pourquoi pas même... donner quelques références qui peuvent vous donner aussi des idées de lecture pour après le séminaire, parce que généralement c'est un peu le but aussi de ce genre de rencontre. Donc voilà, le qui suis-je, on va le passer. Juste peut-être pour revenir un peu sur mon parcours et qui me permet d'illustrer le fait d'un pourquoi en fait je parle de bande dessinée, bah, c'est tout simplement ça relève d'un intérêt personnel. Et après, pourquoi je relie la bande dessinée à cette approche de l'interactivité, de l'immersion et du numérique, c'est plus lié à mon parcours en fait académique et pratique,
Je commence par une licence art appliqué, parcours design, option design et culture numérique pour le titre à rallonge. Où en fait, là, j'ai vraiment été initié à la pratique de gestion de projet tournée et justement centrée sur l'utilisateur. Centrée sur l'utilisateur étant un terme qui appartient quand même beaucoup au design numérique. Et du coup, pendant cette période, voilà, on travaille des projets, on travaille un peu des éléments d'interaction, on travaille des interfaces. Et tout ça, ça me permet de commencer à éveiller une petite conscience. Et peut-être que inconsciemment, je commence à faire des liens entre voilà, qu'est-ce que c'est l'interaction, le design d'interaction, comment on gère des projets à partir de cela. Et en fait, moi, je pense que dans ma tête, j'ai commencé à créer des liens avec la bande dessinée. Alors, ces liens-là avec l'interaction, je les travaille davantage en master. Donc, je suis un master création numérique. Options hypermédia et espace intelligent pour le titre à rallonge, dans lequel là j'ai vraiment pu m'épanouir et j'ai eu la chance de faire un stage laboratoire dans l'université de Malte, dans le laboratoire Digital Arts, dans lequel j'ai lancé un mémoire de recherche qui avait pour titre En quoi le noir ouvre sur un infini permettant l'exploration spatiale de l'ellipse en bande dessinée interactive, où là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dû travailler, mettre en place un projet qui me permettait de déjà répondre à la question de qu'est-ce qu'une bande dessinée numérique ou interactive et surtout comment on gère une ellipse, donc le passage entre une ou plusieurs images dans la bande dessinée et la narration que ça peut créer sur un support interactif et numérique. Et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant durant cette période, c'est que du coup je crée une application en réalité augmentée et que où la BD ne peut se lire que dans le noir. Du coup, il y a quelque chose d'assez marrant qui se passe entre la connexion, donc l'espace même de l'écran sur lequel je vais lire ma BD et l'espace dans lequel je me situe qui doit être absolument obscur pour que l'écran du téléphone se fonde en fait avec l'espace dans lequel je baigne et que du coup les images se spatialisent devant moi. Et dans ce cas-là, après, c'est la déambulation du corps dans l'espace dans lequel je me trouve qui va me permettre d'avancer d'image en image et donc jouer de l'intervention du corps, jouer du parcours utilisateur dans un espace et aussi dans ce qu'est une bande dessinée au final interactive et augmentée. Après, avant de me lancer dans un doctorat, donc entre mon master et le doctorat, je travaille comme enseignant contractuel et j'ai eu la chance à cette époque de concevoir un livre-objet qui s'intitule Textimage 5, les fabriques des histoires. Et ce livre est assez intéressant aussi, il joue un grand rôle dans ma recherche parce que, en fait, c'est un livre sur lequel je pars de collages de Carole Brandon, qui est une artiste chercheur, qui a publié des images sur Instagram. Et là, chose assez intéressante, c'est que Instagram est un réseau social, mais aussi une interface qui s'articule de manière très séquencée, autour de carrés, les uns à côté des autres. Et on peut concevoir aussi de la narration à partir de ça. Et ce qui est intéressant avec ce livre, qui reprend le format carré d'Instagram, c'est que j'ai pu, avec un jeu d'images, à partir des collages de l'artiste Carole Brandon, mettre en place, pareil, cette fois-ci, une composition d'un livre qui reprenait des idées de bande dessinée parce qu'on avait du séquençage d'images, on avait de la relation texte-image, que c'est dans le titre, des choses qui se jouaient qui étaient assez intéressantes. Et en plus, ce livre, là où la petite anecdote qui est sympa, c'est que c'était un livre aussi qui était utile avec de la réalité augmentée, encore une fois. Donc, j'avais composé une application qui permettait d'augmenter certaines images pour avoir des aperçus 3D de certains éléments, notamment de sujets qui étaient traités dans le livre, et de faire apparaître aussi des vidéos spatialisées en trois dimensions. Une chose assez sympa qui se met également en place. J'en viens à ma thèse. Et cette thèse, donc bande dessinée, et réalité mixte vers de nouveaux espaces de narration. Donc, ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que quand on est en thèse, on doit choisir un peu, on doit développer une certaine pratique artistique, et cette pratique va jouer un rôle sur la théorie. C'est ce qu'on appelle notamment la méthodologie de recherche-création. Donc, c'est dans ça que moi je me situe. Et donc, j'essaye de faire le parallèle et j'essaye de proposer des expérimentations au travers d'un projet pour questionner la bande dessinée. Donc, Handeman, c'est quoi? Donc, c'est un... Ah non, les flèches, elles sont là. Handeman, c'est donc une expérience en réalité mixte. Donc, c'est une adaptation d'une légende celtique irlandaise. Donc, je passe le résumé de la légende, parce que sinon, on va y passer des heures. Mais... En gros, dans cette légende, on a deux personnages principaux.
Et du coup, dans mon projet, c'est un projet qui doit être expérimenté avec deux utilisateurs. Et chose intéressante, c'est que ces deux utilisateurs vont pas vivre la même expérience de la même façon, parce qu'il y en a un qui aura un casque VR, l'autre, une application réalité augmentée. Et ils vont voir, en fait, l'histoire de deux points de vue différents, comme de deux personnages différents. Et ils vont pouvoir être en mesure de rentrer en relation ensemble, évidemment, ensemble, ou alors s'interférer. Et du coup, même ça, ça commence à mettre en place déjà un réseau d'interaction, un réseau de relations au sein même de la narration. Et ça reste de la bande dessinée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce projet est structuré à partir des différents espaces, à partir des différents jeux d'espace que propose la bande dessinée. Et ces différents jeux d'espace que l'on connaît, hein, de la bande dessinée, donc, l'idée de passage, l'idée d'ellipse, l'idée de simultanéité des images. Donc ça, je le reprends dans mon dispositif et je l'adapte avec la mixité. Donc pareil, donc la mixité, c'est un terme un peu compliqué, donc je ne vais pas y passer forcément beaucoup de temps, mais je l'adapte quoi, avec de la réalité mixte et la méthodologie de recherche-création. Je vais assez vite parce que quand même, on a déjà 1h15. Donc là, j'avais fait une rapide captation de ce que l'on peut voir, notamment à gauche. J'espère que c'est la même gauche que moi, du coup. Donc là, l'image en noir et blanc, donc, c'est ce qu'on peut voir dans un casque VR, et à droite, c'est plutôt ce qu'on voit sur le smartphone. C'était ça aussi, ce jeu de différencier les deux points de vue pour avancer dans l'histoire. Donc ça, c'est moi, ce que j'ai, c'est une approche de plus liée à l'hypermédia. Et donc, c'est pas tout à fait du transmédia. Mais en tout cas, ça permet de commencer à mettre un point de vue. Donc, un dernier point qui semble pour moi intéressant à mettre en compte, c'est que souvent, je dis que j'ai adapté une histoire en bande dessinée ou je travaille des espaces en bande dessinée. Alors, pourquoi j'utilise le terme « en » C'est tout simplement que je fais référence à la... Enfin, tout simplement. Je fais référence à l'approche qu'avait développée Deleuze dans une conférence qui s'appelait justement « Qu'est-ce que l'acte de création ?» où il parlait d'idées en cinéma. Et l'idée en cinéma, c'est quoi ? C'est d'approcher des concepts qui ne peuvent être réalisés que par le cinéma. Et en fait, et ces concepts-là, ce n'est pas quelque chose d'anodin qui, pour le créateur, arrive d'un coup comme ça sur lui, et ensuite à questionner au travers d'un support. Non, non, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Deleuze, je dis lui-même, les concepts, il faut les fabriquer. Et du coup, moi, j'ai cette approche-là. C'est-à-dire que les concepts, je dois les penser, je dois les fabriquer par la bande dessinée, donc je dois créer des idées en bande dessinée. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être un petit peu abstrait, dit comme ça, parce que j'y passe très rapidement, mais c'est essentiel à prendre en compte pour avoir une bonne approche de la bande dessinée donc, par le numérique, l'interactivité, l'immersion, l'hypermédia ou le transmédia. C'est là que je vais passer au transmédia quand même, parce que sinon, on va avoir trop de points de vue différents, mais... le transmédia, il y a quand même pas mal de définitions qui ont été proposées au cours du temps, mais là, il y a la référence majeure sur laquelle je me suis appuyé et que je vous conseille absolument parce que c'est une lecture très abordable, mais qui vous permet de bien clarifier tout ce qui se passe au niveau de l'art numérique. Donc, c'est deux bouquins qui sont dirigés par Gisèle Azémar. Donc, sans notion pour le cross-média et le transmédia et sans notion pour l'art numérique. Et dans ces bouquins, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que les notions de cross-média et de transmédia sont employées pour désigner des projets éditoriaux structurés dès l'origine autour de compositions de médias mêlant des discours linéaires et délinéarisés. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que déjà on voit apparaître deux figures, cross-média et transmédia. Cross-média étant la manière d'approcher un contenu identique sur différents supports. Ce que peut faire un peu Netflix. Netflix, le fait d'avoir un film qu'on peut lire à la fois sur la télévision, à la fois sur l'ordinateur, à la fois sur le portable, smartphone, c'est un peu une approche de cross-média. Le transmédia, quant à lui, par contre, il est assez différent. Et là, c'est Jenkins, Henry Jenkins, qui va nous être un peu plus utile et que je vous conseille aussi de lire, même si là, c'est peut-être une lecture qui est peut-être un peu moins abordable, mais en tout cas très sympathique. La narration transmédia, là je le cite également, et l'art de créer un monde pour profiter pleinement de tout monde fictif. Les consommateurs doivent assumer le rôle de chasseurs-cueilleurs, j'aime bien cette analogie, pour chassant des morceaux d'histoire sur les canaux médiatiques
et qui vont ensuite comparer des notes entre eux via des groupes de discussion, des forums, etc., etc. Et ils vont collaborer, ils vont participer pour en fait se féliciter des efforts qui ont été produits pour concevoir une expérience de divertissement plus riche. Donc ça, c'est bien la différence qui existe entre le transmédia et le cross-média, c'est que le transmédia, on le voit bien avec la figure du chasseur-cueilleur, c'est-à-dire que on va avoir, comme le cross-média, plusieurs supports, sauf que le contenu va devoir être signifiant par rapport au support sur lequel il est travaillé. Donc c'est-à-dire que le projet en transmédia, que ce soit en bande dessinée ou au cinéma ou ailleurs, c'est quoi ? C'est que le récit que je mets en place, ou les morceaux de récit que je mets en place sur différents supports, du coup, si je décide de faire un projet où il y a un téléphone, un ordinateur et une télévision, le contenu, le morceau de contenu que je propose de mettre dans le téléphone, dans l'ordinateur ou dans la télévision, doit être absolument signifiant, il ne doit pas être gratuit en fait. Et du coup, la connexion qui va se faire entre ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté avec le téléphone, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté avec l'ordinateur, ce que j'ai vu et ce que j'ai expérimenté avec la télévision, ben, c'est le passage entre tous ces éléments-là, l'un après l'autre, qui va construire du sens dans l'expérience que je fais de la, ben, finalement, du projet total de fiction. Totale. Donc voilà la différence entre cross-média et transmédia. Et là, la bande dessinée a vraiment un rôle à jouer parce que la bande dessinée, c'est un média qui est par défaut structuré, c'est un média qui est par défaut dans son acte de création parfois découpé aussi. Donc il y a des choses intéressantes qui peuvent être pensées dans le morcelage de la bande dessinée sur le numérique. Bien que le transmédia a l'avantage de ça, c'est qu'il ne peut pas, forcément uniquement relié au numérique, c'est qu'on peut très bien avoir des éléments tangibles, pourquoi pas une structure que l'on peut, ou une page que l'on peut voir comme ça dans le physique, qui commence à nous faire éveiller quelques soupçons parce qu'il y a des choses dessinées autour et qu'on va devoir analyser avec une application, je ne sais pas quoi, en réalité augmentée. Par exemple, ça, c'est faisable. Moi, je sais que ça a été travaillé dans mon laboratoire avec ma co-directrice de thèse, donc qui était Ghislaine Chabert, enfin, qui est Ghislaine Chabert, pardon. Et elle avait réalisé à l'aide d'une collègue qui s'appelle Caroline Groupière, une œuvre qui s'intitulait Les réalités impossibles, pardon. Et c'était ça leur travail, en fait. Ils avaient, l'utilisateur incarnait un détective privé. Et l'utilisateur avait accès à plusieurs supports, donc casque VR, tablette réalité augmentée, et puis des supports physiques qui devaient lire précisément pour essayer, au passage de support en support, résoudre l'enquête. En plus, le sujet était assez intéressant, était signifiant parce qu'il faisait de la valorisation d'un patrimoine archéologique, et du coup, le fait de travailler sur des supports immersifs comme la VR permettait, par exemple, de plonger l'utilisateur sous l'eau. En trois dimensions, la réalité augmentée par exemple était plus signifiante parce que du coup elle permettait de déchiffrer, de scanner certains éléments physiques aussi. Donc voilà, ce que je disais là, le transmédia fonctionne parce qu'il a été pensé par l'expérience et pour des utilisateurs, sans quoi ça ne vaut pas la peine pardon, de penser le transmédia. Donc voilà, un peu l'idée de j'avais mis une diapo pour ça exprès. Voilà l'idée que ce qu'est le transmédia, ce qu'est le cross-média, l'hypermédia étant quelque chose d'un petit peu plus complexe, qui est basé sur la mixité, là où le transmédia est plus pensé sur le séquençage. Donc moi j'ai plus tendance à me tourner vers l'hypermédia parce que c'est la question du réseau, c'est la question de la narration non finie, de la narration aussi immersive, émotionnelle, qui est plus facilement élaborée et davantage complexe, mais encore une fois, c'est peut-être le sujet d'une autre conférence. Donc, merci de votre participation. Petit clin d'œil, parce qu'on ne dit pas attention, vu qu'on parle de transmédia, l'utilisateur doit participer, donc merci de votre participation. Merci beaucoup Gaëtan pour ce panorama autour de tes travaux et sur justement cette distinction entre cross-média et transmédia. J'aimerais revenir vers Myriam, que nous avons retrouvée par la magie des réseaux. Désolée.
Non, c'est la magie, hein. C'est la magie des webconférences aussi. Donc, j'en viens par rapport justement à cette notion du transmédia qui doit apporter de la pertinence par rapport à l'objet qui est utilisé. Dans la petite vidéo de présentation de l'application de Tsubomi, j'avais cru voir des possibilités d'annotation des bandes dessinées qui étaient proposées. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de cette fonctionnalité, de cette possibilité aussi, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, de rattachement de la communauté, d'interaction, du coup, de participation, comme le disait Gaëtan, du public avec ce support de bande dessinée, avec cette matière de bande dessinée. Voilà, donc la première étape était de mettre au plus proche donc le lecteur et l'auteur, puisqu'on essaie de le faire via notre communication et l'approche qu'on a de présentation des auteurs au lecteur, et d'avoir une espèce de réactivité sur leurs préférences aussi, et pouvoir mettre en place, pourquoi pas, une communication entre eux. Ça, c'est une chose. Mais sur le côté utilisateur de l'application, justement, pour y retrouver cette notion encore plus de ce que disait tout à l'heure M. Martin, de plaisir, déjà, il y a donc évidemment, comme sur une application comme Netflix, une espèce de marquage et de tagage, de marque-page intrinsèque à l'application pour montrer où vous êtes arrêté dans la BD ou ce que vous avez lu récemment sur les 30 chapitres proposés par dans le catalogue du moment. Il est possible de personnaliser encore plus son espace de lecture par deux biais, donc par le commentaire tagué personnel que le lecteur peut mettre dans ses lectures. Il peut se mettre ses propres marque-pages avec ses propres commentaires et pouvoir les lister et les avoir en archive pour pouvoir aller retrouver, je sais pas, une scène d'action qui lui avait plu sur soit de la narration, soit sur un style de dessin, soit une scène qui lui rappelait quelque chose sur une lecture d'avant. Hop, il peut y retourner. Et sur une deuxième étape de développement de l'application, c'est là où j'en étais, il y aurait un espace de lecture dédié qui s'appellerait la Room. C'est un peu pour encore plus personnaliser en fait l'espace de l'application pour le lecteur. Ce serait une salle de lecture, on va dire, graphique, qui serait avec des thèmes proposé pour pouvoir, un petit peu comme votre thème de téléphone, pour le mettre en noir ou pour le mettre en côté pastel, ou pour le mettre en côté noir et blanc. Là, ce serait pour customiser cette salle de lecture avec un thème graphique qui serait en lien avec vos préférences de lecture. Si vous lisez du steampunk, eh ben, on sera plutôt sur de l'apocalyptique. Si vous lisez du drama, donc c'est un petit peu du manga à l'eau de rose, ce serait plutôt une salle à l'eau de rose. Et ça permettra aussi de débloquer des items, donc des petits objets qui seraient phares, qui existeraient dans les mangas, pour pouvoir gagner un petit peu des artefacts en mode gamification, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur la gamification, pour pouvoir avoir des systèmes de récompenses et pour pouvoir décorer ces salles de lecture. Pourquoi cette salle de lecture ? C'était d'une part pour la rendre personnalisée l'expérience de l'application, en plus de l'expérience de la lecture du manga, et de trouver un passage, parce que ça, on y réfléchit encore, comment, pourquoi, quelle pertinence, pour trouver un passage où on pourrait mettre en communauté les lecteurs, c'est-à-dire ceux qui peuvent lire qui ont préféré les mêmes lectures ou les mêmes chapitres, peuvent communiquer, peuvent s'échanger des commentaires sur le manga, et ce serait via cette salle de lecture. On essaye d'éviter du chat, des commentaires avec des modérateurs, et là, surtout sur du public, j'adore le public lecteur de manga, mais il peut y avoir de l'intempestif, il peut y avoir il y a de la modération derrière sur le chat, on ne va pas faire ça. Et on va plutôt se baser sur des principes de jeux vidéo. Et ensuite, vraiment un petit peu rendre le côté un petit peu addictif avec des choses débloquées, comme justement on a l'entière
de la chaîne des droits, on va pouvoir débloquer par exemple des personnages ou des compagnons, par exemple des petits chiens ou des objets phares d'un manga en récompense pour pouvoir le décorer, l'ajouter à son décor et ensuite pouvoir, pourquoi pas, gagner et pouvoir de cette figurine-là, par exemple. Voilà. Ce serait une salle de profil, de personnalisation et support de communication entre les lecteurs. D'accord, merci. Alors, je vais prendre quelques questions. On a beaucoup de questions, notamment autour des questions juridiques par Georges Thuot. Georges, je vous mettrai en contact avec les intervenants parce que malheureusement, on ne va pas avoir le temps de traiter toutes les questions que vous posez, même si elles sont extrêmement intéressantes. Pour en prendre une parmi les autres, donc Georges nous pose la question vis-à-vis de la thématique du transmédia et du cross-média également. Est-ce que tout cela ne vient pas bouleverser toutes les règles relatives à la chronologie des médias ? Et est-ce que cette multiplicité des supports ne vient pas constituer un frein à l'exploitation efficiente de l'œuvre transmédia en elle-même ? Gaëtan, Myriam, Jean-Philippe ? Je ne pense pas, non, parce qu'en fait, encore une fois, la multiplicité des médias, déjà, peut-être ne pas confondre médias et dispositifs aussi. Le fait qu'il y ait de plus en plus de dispositifs pour le coup, au contraire, va plus aider la constitution de projets de transmédia, justement dans l'idée de, encore une fois, pour le créateur d'expérimenter de nouveaux supports et de faire la recherche de nouveaux types d'interactions qu'il pourrait y avoir entre les différents dispositifs. Après, le fait de, il faut encore une fois justifier le fait de utiliser tel ou tel support, de tel ou tel dispositif. Donc ça, c'est essentiel. Donc non, je pense, enfin, de mon point de vue, en tout cas, je ne pense pas que la multiplicité des dispositifs et le travail que l'on peut faire avec les médias ne bouleverse quoi que ce soit. Au contraire, ça apporte quelque chose de nouveau et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, quand on a une posture de designer ou de créateur. Après, moi, je me tourne un peu de ce côté-là. Du coup, j'ai tendance à être curieux, j'ai tendance à aller et essayer de titiller ou essayer des choses. Du coup, ça, au contraire, non, moi, quand il y a des choses un peu nouvelles, ça m'intéresse. Après, autant il faut les critiquer très rapidement. Il peut y avoir très bien un nouvel outil, un nouveau dispositif qui sorte, qui ne soit pas terrible pour des questions de surveillance, pour des questions, je ne sais pas, de système, etc., etc. Mais dans ces cas-là, justement, il faut faire des projets. Des projets vont le critiquer et peut-être, du coup, ça sera mis de côté. Mais donc, non, au contraire, moi, je pense que ça aide quand même le processus créatif. Et voilà, il faut juste se lancer et proposer des choses. Est-ce que dans la question de M. Thuot, là, la question des supports, de la multiplicité des supports, ça n'est pas la question de l'interopérabilité entre les différents systèmes qui pourrait effectivement constituer un frein, le fait que le passage d'un support à l'autre. Je ne sais pas, c'est une interprétation. C'est possible dans la façon dont la question est formulée, oui. Compatibilité, pardon. Oui, dans ces cas-là, oui, après, il peut y avoir un rôle. Si c'est vraiment ça la question, je suis sûr que ça le soit. Ça l'a sans doute été par le passage d'un support à l'autre, y compris d'ailleurs d'un mobile à l'autre, d'un téléphone portable à l'autre. Être un frein puisque ça se faisait simple, les gens étaient nécessaires. Aujourd'hui, ça m'a l'air beaucoup moins compliqué, plus fluide là, de passer d'un système à l'autre que ça ne l'était par le passé. Surtout qu'aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des open source. Oui, voilà, tout à fait. Donc, exactement. On peut faire les trans tranquilles. Enfin, alors, on va prendre une dernière question, malheureusement, parce que le temps passe vite. C'est une bonne chose, c'est bon signe. Donc, une question de Valérie Nes de la Ville.
Donc, pour Myriam, bonjour Myriam, ravi de vous retrouver ce soir, de découvrir ce beau projet. Est-ce que vous prévoyez des fonctionnalités spécifiques pour les adolescents par rapport aux adultes lecteurs de manga? Tout à fait, une classification d'âge, à l'instar de la norme PEGI pour le jeu vidéo. Donc, il y a même une autorisation adulte pour certains titres qui sont très soft, hein, mais qui peuvent avoir un peu de violence ou une scène érotique parce que c'est dans l'histoire. Si la question est le type de manga qu'on va proposer, on va pas aller chercher de l'érotique pour de l'érotique. Hein. Voilà. Si dans l'histoire il y a quelque chose qui se passe comme ça, pourquoi pas. S'il y a une, ça c'est dans nos choix éditoriaux. Hein. Si on a une scène de violence, parce qu'on est contre des monstres, contre des titans, ou voilà. Et donc on va pouvoir catégoriser ça un peu à l'instar de la norme PEGI, et puis avec un accès contre l'adulte. Ouais. D'accord. Ça se fait. Ça c'est une classification que vous faites vous-même, ou c'est une classification qui peut être faite par la communauté? Alors, c'est on va faire les deux. On va regarder un peu les critères. On va se calquer vraiment sur le ce qui se passe dans le jeu vidéo, parce que c'est une des classifications qui est la plus, similaire. Et ensuite, on va regarder suivant les recommandations d'âge qui sont faites aussi sur les mangas au Japon pour tel ou tel type de lecture. D'accord. Voilà. Jean-Philippe, tu viens intervenir? Avoir s'il y a des retours, ça risque d'être par nos systèmes d'application, quoi. On va dire tout simplement Google ou les stores, en fait. D'accord. Qui ont un œil sur les contenus. Oui, évidemment. Évidemment. Mais oui, on a évidemment prévu une classification par âge, tout à fait. D'accord. Jean-Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'avais juste une question pour Myriam, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Enfin, j'ai compris le principe, évidemment, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris le l'étendue du contrat avec les auteurs, pardon. Est-ce que oui. C'est un contrat d'exclusivité, autrement dit, la création de tel ou tel auteur qui signe avec vous est limitée à une diffusion sur votre support, ou est-ce que vous achetez des droits de diffusion? On achète les deux. D'accord. En fait, il y a deux choses. Ça dépend. Ça dépend. La majorité du temps, on est sûr de l'achat de création originale. Donc, en fait, il crée pour nous. Mmh. Oh là là, non. Ah. Non, Myriam. Ah non, ben non. Plus de Myriam. Bon. Du coup... le temps que Myriam nous revienne, je vais prendre une dernière question de Georges. Quelle problématique juridique on va rencontrer le plus souvent dans l'exploitation des œuvres transmédia? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Myriam. Excusez-moi, c'est que j'ai vraiment la fin de mon réseau, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, pour répondre à votre question, ouais, c'est ça, je crois que je suis à 2000 moi. Là, je vais. Oui, pour répondre à votre question, on fait de l'achat de droits, donc on fait de l'achat sur la planche. On les paye par planche. On a c'est une somme forfaitaire pour la diffusion numérique, parce qu'on ne peut pas faire via un pourcentage prix public, hein, parce qu'on est sur 30 auteurs sur une plateforme. Tous les autres droits, c'est-à-dire droits d'adaptation, si par exemple on veut faire une animée ou si on veut vendre la figurine de leur personnage principal, ou de leurs personnages principaux, ça sera là, au pourcentage. Ah, ah oui, d'accord, c'est inclus déjà dans le contrat initial. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer un contrat d'édition, parce qu'on demande de la livraison suivant les auteurs chaque mois, chaque deux mois, chaque trois mois, parce que nous, il faut qu'on ait un roulement, de contenu de chapitre pour alimenter tous les mois, donc on doit avoir une cadence, voilà.
Et donc, on diffuse pour l'instant exclusivement sur la plateforme. Et ensuite, on va pouvoir peut-être travailler sur des extinctions de droits, on va dire, sur la plateforme initiale, pouvoir faire une diffusion sur d'autres plateformes, comme par exemple Mangayo, qui sont un peu des produits similaires, mais proposés, qui sont que diffuseurs, par exemple. Voilà. Et il peut y avoir aussi juste de la diffusion sur, par exemple, des gens ou des mangas qui ont été déjà créés au Japon, mais qui sont dormants, ou qui sont dormants ou ont eu une extinction de droit ou une fulgurance, on va dire, dans le marché du commerce au Japon, très, très, très courte, parce que c'est là-bas, c'est un peu la loi de la jungle quand même. Et ce n'est pas qu'une question de qualité, c'est vraiment… Il y a beaucoup de talents et de qualités qui ne sont pas exploités là-bas. Quoi. Voilà. Donc voilà, on peut s'adapter sur des projets. Mais le principal, c'est la création pour Tsubomi Edition. Ouais. D'accord, mais merci beaucoup. Du coup, on va clore. On va clore cette webconférence. Donc, je rappelle… donc Gaëtan, donc tu fais donc ta thèse à l'Université de Savoie. Est-ce qu'on a un endroit où on peut voir tes travaux, on peut voir des work in progress peut-être? Partout. Non, mais je poste quelques vidéos parfois, donc si ça apparaît, ça apparaît sur mon profil Facebook, Instagram. À Twitter, j'ai un peu plus de mal, mais j'y vais quand même. Non, c'est surtout sur Facebook et Instagram. D'accord, merci. Oui. Donc Myriam, donc pour les éditions de Tsubomi, des réseaux sociaux également, j'imagine. Oui, alors on a YouTube, on a notre YouTube avec nos vidéos sur Tsubomi Edition, et on est relayé pour l'instant très largement par l'ermite moderne, le YouTuber. Big Manga. Le reste est en création parce qu'il y a justement, on va faire coïncider toutes les tuyaux de diffusion et de création. Voilà. Donc on n'a pas encore tout. Voilà. On a déjà YouTube et l'ermite moderne. C'est déjà pas mal et donc oui. Je vous invite à aller suivre. Pour avoir toutes les dernières informations. Jean-Philippe Martin, bon, le CIBDI a, j'imagine, des réseaux sociaux, une certaine présence. Oui, tout à fait. Un site web assez fourni, effectivement, des réseaux. Je crois qu'on est sur tous les réseaux, y compris sur TikTok. Dis donc. Donc voilà. N'hésitez pas, bien entendu, si jamais vous êtes un jour de passage sur Angoulême et que les structures sont ouvertes, à visiter la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, ainsi que le musée de la bande dessinée qui se trouve juste en face. Je pense que vous aurez une vision sur la bande dessinée et le transmédia aussi, qui sera assez intéressante. Vous y croiserez peut-être. Et vous pourrez peut-être avoir la chance de croiser Jean-Philippe pour un cadeau dédicacé, peut-être. Ouais, la passion, ouais. Donc, moi, avant de rendre la parole à Laetitia, je vais remercier, bien sûr, l'ensemble de nos partenaires et financeurs que sont l'Union européenne, l'État français, la région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d'agglomération Grand Angoulême. Et je remercie, bien évidemment, la Technopole Requetech pour l'organisation de ces événements. Laetitia, je te passe la parole et merci beaucoup. Ben, je vais aussi remercier nos trois intervenants. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et instructif et je pense que le replay aura du succès parce que c'était assez enrichissant. Charles-Alexandre, merci pour cette animation. Et puis je remercie aussi le Fabrique, donc toi et Victor aussi. On organise tous les trois ce cycle de webinaires. Donc on fait un webinaire environ tous les mois. Le prochain aura lieu vers fin mai. On n'a pas encore la date exacte. Et donc je vous propose de suivre aussi nos réseaux sociaux. Moi aussi, je fais un petit peu de pub sur LinkedIn, sur Facebook. Sur YouTube. Donc, on annoncera ça dans peu de temps. On doit encore se coordonner et fixer deux, trois choses. Mais vers fin mai, je pense qu'on peut se retrouver pour un nouveau webinaire. Donc, merci à tous. Encore une fois, on vous transmettra
le replay par mail, et puis de toute façon, il sera disponible sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci aux Fabriques et merci à tous les trois de vous être rendus disponibles. C'était vraiment, vraiment sympa. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.